Et viva España. Et viva España. Oui, Franck Villiers, Bénimard, bonjour. Oui, bonjour madame. Ah oh là 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 là. Eh mais je viens de faire un rêve de fou. Oh, il y avait Franck, le mec de Bénimard, ouais. qui était dans la concession, il était comme chez lui. Et il même... Oh, mais... Attends, c'est un truc de dingue, parce que j'y arrivais pareil, le mec il prenait son café, il allait dans ton bureau, il répondait au téléphone. Ah mais hallucinant, mais... Non mais... Attends, mais... On est dans quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais attends, mais en fait le mec il est vraiment venu, Eddie. Il a laissé le camping-car. Il nous a laissé un bahut. Sans déconner. On fait quoi? Bah... Autant qu'à faire, autant faire la vidéo, non? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, ça va, on y va. Coucou toi. Voilà. Coucou, salut tout le monde. Bon bah voilà, hein. un rêve réalité. Ah, elle est belle l'affaire. Pouah. Ouais, beau bébé que t'es en train de montrer mon petit chat. On est content, on est très heureux de vous montrer une nouvelle marque sur notre chaîne. Donc Bénimard. Ouais. Bénimard. Tu peux me dire ce que c'est Bénimard et dis ouais. S'il te plaît. Alors déjà, pourquoi Bénimard? Le nom. Tiens, tu sais qu'on aime bien faire un peu l'historique, comment c'est créé, tout ça. Donc Bénimard, tout simplement, au départ, la fabrication, c'était dans un petit village en Espagne. C'était Benicarlos. T'as vu, j'ai pris l'accent en plus. Benicarlos. Donc Benicarlos. Donc on s'est pas cassé la tête, on a fait simple, efficace. On a pris la contraction, le début, Béni, oui. Et on a rajouté Mar. Tu vois, toujours avec l'accent. Mar. Donc, Mar qui veut dire mère en anglais. Oui, j'ai fait exprès. Donc, Bénimard, tout simplement. Parce que j'imagine que le village est à côté de la mer. Tout à fait. Pas bête. Quand tu dis on a pris tout ça, c'est oui. parce que c'est. À l'époque, j'étais déjà là. Tu sais que j'ai construit beaucoup de véhicules. Faut que t'arrêtes de t'approprier. Oui, mais j'aime bien. Je fais ce que je veux. D'accord. Donc, voilà, Bénimard, le nom, tout simplement, c'est ça. Maintenant, l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé ici? Oui, 1974, donc on construit, donc toujours on construit de la caravane. On commence par la caravane. Comme beaucoup de constructeurs, on commence par la caravane. 78, premier camping-car, Bénimard. D'accord. 78, on commence les camping-cars. 96, la grosse usine, qui est encore l'usine actuelle, à Peñíscola. Donc pas loin de Benicarlos, Peñíscola, toujours au bord de la mer. Donc, on fait la production des camping-cars là-bas. Ils auraient pu l'appeler Bénimard au final. Après, ils pourraient l'appeler Bénimard. Mais Péni, tu vois, après, Péni... Bénimard, c'est bien. Donc, c'est très bien comme ça. Attention, oui, 2002, pardon. Qui c'est qui arrive? Allez, laisse-moi deviner. Qui c'est qui arrive en 2002? Dios. El Dios. Des papels. Monsieur Feuillet de Trigano qui arrive, qui a le nez creux, qui sent le truc. Hein, il est fort, hein. Donc il arrive, il dit bonjour monsieur, madame Bénimard, hein, peut-être. Et puis il dit bon bah voilà, moi je veux. Voilà, c'est voilà. Fait, il dit fait. Moi je veux. Donc voilà, 2002, Trigano rachète Bénimard. Et là, ça se développe petit à petit avec l'industrialisation, le savoir-faire de Trigano pour booster notamment la production. Alors il y a pas mal de choses en 2007, 2008 qui arrivent, tu sais, Bénimard, alors petite anecdote, Bénimard, ça a été les premiers, tu sais, à sortir le sunroof, le toit vitré beaucoup de profilés qu'on connaît à l'heure actuelle, que toutes les marques ont, ça a été les premiers à développer ça. Ah. Et Trigano l'ont lancé maintenant beaucoup de produits. Ah. Pareil, tu sais, en occasion, ça nous est arrivé d'avoir des Bénimard avec deux portes-cellules. Oui. Ça, c'était marrant. Ça. Oui, c'est spécial. On a toujours très rigolé quand on avait ça sur le phare. Faut aimer, faut être connaisseur. Voilà, c'est pour les. Voilà. Non, mais ça montre une espèce de recherche. Une certaine recherche. Quoi. Il y a une recherche, il y a des choses. Après, l'évolution, c'est 2015 où là, vraiment, on rentre dans le dur, on s'industrialise, on développe. Et puis, notamment avec la série Up.
Donc pour ceux qui ne le savent pas, la série Hop, chez Benimar, c'est une série tout équipée. On prend les clés et on file. Ouais, voilà, le store, tout équipé d'usine. C'est vrai. Donc maintenant, ça y vient. Ouais, beaucoup de constructeurs y viennent. On trouve ça très bien, vous le savez, on aime ça. Mmh. Donc ça a été les premiers aussi à lancer ce genre de politique. C'est vrai. Et ils sont présents sur le marché français, sur le marché européen. Ils distribuent de partout, sauf, je crois, en Autriche. Ouais, ils boudent. Ouais, en Autriche, non, pas en Autriche. Non. On verra plus tard. Mais ouais, bon, le reste de l'Europe suffit déjà bien. On a même entendu dire qu'ils sont en Allemagne depuis cette année, donc depuis l'année dernière, et que ça commence très très fort sur le marché allemand. Allemand, les pays scandinaves aussi. Oui. Ils ont des, on en reviendra. Ils ont des packs spéciaux pour les Nord Photocap, tout ça, au départ, et puis qui se développent. Ouais, ouais. Donc voilà l'historique de Benimar. On n'est pas sur de la petite marque, quoi. Ah bah non, 43 ans d'existence, c'est pas rien quand même. Non, hein. C'est pas une marque jeune qui débarque. Hein. Oui, calme-toi, je t'ai. D'accord. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous présenter donc l'intégrale. L'intégrale, celui-ci, c'est l'Amphitryon 940. Attention les yeux, les copains. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce véhicule? Il y a une histoire, un truc. Je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Oui, alors. Oh putain. Excusez-moi. Oui, monsieur. Pardon, juste une seconde. Non, mais c'était pas un rêve en fait. Il était vraiment là. Oui. Ah oui, il était. Je suis là. Oui, je suis là. Ah oui, c'est vrai. Non, il est en chair, en os. Coucou. Il est gentil. Juste un petit point sur ce modèle parce que je vois que le monsieur maîtrise bien globalement toute l'histoire et tout. Sur ce modèle, il y a quelque chose qu'il peut pas connaître en fait, c'est comment ce modèle est né. Voilà, tout simplement. En fait, il est pas né du haut comme ça. Il est né simplement d'une idée, d'un modèle qu'on avait avant, qui était fait plutôt pour 3-4 personnes, et qu'une charmante concessionnaire du Nord, que j'apprécie beaucoup, qui roule et qui part en vacances avec ses 3 enfants. Suite à une discussion, voilà, est-ce qu'on pourrait faire un modèle un peu plus grand, un peu plus équipé et tout? Voilà, on a dessiné au coin d'une table, un peu en imaginant des choses, et puis nous, tout simplement, on l'a fabriqué. Voilà. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans sur une capucine. Et puis en fait, on l'a extrapolé sur la version intégrale parce qu'on se rend compte que beaucoup de familles et de gens veulent arriver sur ce type de produit en intégral. Tu peux te faire un dessin et tu fais un camping-car? Oui, un dessin. Non, voilà, c'est tout. Mais c'était. Merci. On peut bosser maintenant. Merci Franck, j'aurais pu le dire, hein, je le savais. Eh ben, allez, montre-nous le tarif. Allez, c'est parti. Alors, on continue maintenant pour le prix. También. Si. Allez, combien vous? Est-ce possible de la cuenta, por favor? La cuenta, por favor. Donc, alors, on est sur une nouveauté, hein, ça vous l'avez compris, l'Amphitryon 940. Donc, sa longueur, c'est un 6,99 en 2,37 de large et 2,95 de haut. On est sur un, comme je vous l'avais dit, on est sur un 5 places carte grise de série, 5 couchages, et on verra pour l'implantation de la table, on peut tenir à plus. En gros, donc on est sur un porteur de base Fiat 140 chevaux, 2 litres 3. Après le reste, je vais passer rapidement dessus. On va tout montrer, c'est toute série. Comme d'habitude, on va tout voir à l'intérieur, à l'extérieur, la cellule. Donc je passe rapidement dessus. D'accord. Je vais juste vous montrer surtout le pack. Attends, et le prix peut-être? Avec le pack du coup, enfin sans le pack, pardon, 63,850. Donc ça, c'est le prix de base. Voilà, le prix de base, 63,850. Donc avec tout ce qu'il y a là, avec tout ce que je vais vous montrer. Il est à 63,850. Celui-ci, on a rajouté le pack Vista. Enfin, nous, on n'a rien rajouté du tout. Toujours. On nous a été prêté comme ça, donc une fois de plus, encore on les remercie. Et qu'est-ce que c'est le pack Vista? Eh ben, on va le lire ensemble parce que je ne le connais pas par cœur. Alors, il est équipé en 160 chevaux. Ça, ah, c'est bien. Ouais. On a les belles jantes à lui 16 pouces. On a le Traction Plus et le Hill Descent et le Hill Holder. Les phares anti-brouillard qu'on aime bien. Le volant, pommeau, levier de vitesse, cuir. L'entourage des contours chromés, la caméra de recul, le panneau solaire 140 watts et l'éclairage extérieur. Ce pack, il est à 2 300 €. Alors, il faut savoir que Benimar, c'est affiché à 2 300 €, mais il y a une remise déjà qui est intégrée, une remise client donc pour vous de 2 500. Normalement, ce pack, quand on prend tous les équipements un par un, on est à 4 800 €. D'accord. Au lieu de 4 800 €, ce pack Vista, vous le touchez à 2 300 €. C'est la marque qui fait l'offre. Voilà, on a l'aide constructeur de 2 500 € qui est déjà incluse. C'est-à-dire que le prix du modèle exposé, donc celui-ci avec le pack Vista, est à 66 150 €. Avec 2-3 équipements quand même. Avec, avec quelques équipements sympas. Ouais. Intéressant. Le tour extérieur? Allez. C'est parti pour le tour extérieur.
Donc, alors, le tour, attends. Oui. Le tour extérieur, donc avant Arrête de commencer. Arrête tes maracas. Par... J'avais vu que je faisais des maracas, parce que c'est espagnol. Pardon, avant de commencer par le tour extérieur, voilà, petit aparté ici. Oui. Merci. Merci Benimar. Merci Benimar. Donc, c'est la première fois qu'on a Benimar sur une de nos vidéos, donc on est très content. Ça y est, on ouvre nos portes à plusieurs marques. Benimar en fait partie, ils rejoignent ceux qui sont déjà présents sur la chaîne. Et je tiens à faire un coup de chapeau à Benimar en l'occurrence, puisque c'est celui qui est derrière moi. Parce que nous appeler, nous dire Cyril et Disque, vous pouvez faire une vidéo de notre nouveauté, c'est sympa de penser à nous, c'est très bien. Et c'est entre guillemets, c'est couillu. Pourquoi ? Parce que Franck, que vous avez vu, il est parti, hein, il est allé bosser. Donc là, on a libre cours à ce qu'on va dire, à nos vidéos qu'on va faire. Vous savez, nos vidéos, on dit ce qu'on pense. On dit le bien, on dit le moins bien. Donc voilà, c'est quelque chose de bien de la part d'une marque de mettre un véhicule entre nos mains. Voilà, ça va… Puis ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir. Mais voilà, il faut savoir qu'on a… Voilà, quand on a une vidéo, un constructeur qui nous appelle, qui nous dit « Eddy, Cyril, Eddy, faites une vidéo de mon modèle », il faut savoir que derrière, ils sont au courant, ils le savent, qu'on va dire ce qu'on veut et ce qu'on pense. Voilà. C'est la seule exigence qu'on a avec les marques, c'est de nous laisser faire notre vidéo comme on l'entend. Et, et finalement, ça prouve que, dans un sens, ils sont… En tout cas, pour Benimar, ils ont l'honnêteté et la force, l'intelligence, j'ai envie de dire, de pouvoir se dire « on va se remettre en question ». Oui, parce qu'on va peut-être dire des trucs qui vont peut-être… Mais ils sont prévenus. Voilà, ils sont prévenus. Et ça, c'est cool. Après, franchement, ce modèle, il est génial, il a zéro défaut. Non, le zéro défaut, il n'existe pas. On va dire tout au long de la vidéo, comme vous le savez, comme on a l'habitude de les faire, on ne va rien vous cacher, on va tout vous montrer dans le détail. Et ça fait plaisir que Benimar nous ait contacté pour ça, ça fait chaud au cœur. Ouais. Donc, merci à eux. Petit aparté très utile, merci Eddy. Je t'en prie. On peut faire le tour Alors, du coup, le tour, puisque là, j'ai été sérieux 5 minutes. Le tour, donc. Alors, ici. Arrête-toi. Allez, j'arrête. Alors, on va vous dire beaucoup de choses sur ce véhicule. La première chose, c'est cette calandre. Je vais me pousser un petit peu. Oui. C'est cette calandre. Alors, moi personnellement, et toi aussi, je pense, Cyril, on aime un peu ce qui est nouveau en termes de design. Là, il y a une réelle recherche au niveau du look de la face extérieure de cette calandre. Il faut savoir que cette calandre, elle est dessinée, donc ils ont un designer italien. D'accord, un designer italien qui bosse beaucoup dans la moto, qui est connu dans le monde de la moto. Et ils ont fait appel à ce gars-là en Italie. Et donc, c'est lui qui a dessiné cette face avant qui est vraiment propre aux intégraux de la marque Benimar. Ouais. Nous, on trouve qu'elle a de la gueule. Ouais, c'est agressif. On trouve qu'elle est racée, qu'elle est aérodynamique, racée et qu'elle a de la gueule en effet. Mmh. Si on voit ça débarquer derrière nous, on se dit waouh. Donc voilà, Benimar, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette face avant? On va retrouver nos LED en hauteur. Les anti-brouillards, ils y sont. C'est le pack Vista, ça. Ouais, c'est le pack Vista. Donc, on va retrouver la calandre noire avec un petit élément chromé. On va retrouver une espèce de prise d'air ici qui fait penser un peu aux nouvelles automobiles type Audi. Oh, pas de marque. Pas de marque. Donc, de type Audi, A-U-D-I, je dis ce que je veux. Je pense pas qu'Audi regarde nos vidéos. Non, je pense pas non plus. Pareil, quand on prend un peu de recul, je ne sais pas si on va l'apercevoir sur la vidéo, mais je pense que si, c'est la hauteur du pare-brise. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, on a un gain de lumière et donc forcément une visibilité qui est beaucoup plus large. Et notamment hauteur, je te laisse imaginer. Alors, qu'est-ce que je vais trouver pour te faire plaisir, Cyril? Quand tu passes vers l'Ardèche, à un moment, je ne sais plus où c'est, tu passes dans un espèce de pont ou un truc un peu bizarrement fait. Et bien là, de le voir au-dessus de toi comme ça, je pense que ça peut être appréciable. Génial. Voilà. Je retrouverai le nom et je vous le dirai. Ouais, s'il te plaît. Je peux y mettre une critique? Allez, c'est parti. C'est pas très méchant, mais en fait, on l'a vérifié. Je trouve que juste les… Ah, les essuie-glaces. Ouais, ils sont un peu hauts en fait. Ouais. Ils devraient, celui de droite, il devrait se baisser un petit peu plus. Ouais, on dira à Franck. Ouais, je pense que c'est un petit réglage, c'est pas grand-chose, ça gâche juste un tout petit peu l'esthétique. Ouais. C'est rien de bien méchant, ça gêne pas à la vue, hein, bien sûr. Non. Mais ouais, juste ça. On leur dira. Oui, de toute façon, je pense que Franck regardera la vidéo du coup. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Alors, pendant qu'on est là, au niveau de la structure. Oui. Donc, on est tout en polyester. Mm-hmm. On est sur un toit en 62, polyester, styrofoam, polyester. D'accord. On est sur des parois en 29, polyester, styro, polyester. Et un plancher, pareil, en 59,
polyester, styro et polyester. Il n'y a pas d'ossature bois du tout. D'accord. D'accord, dans ces véhicules. 62 t'es sur le, ouais, le planche, le sur toit. Sur le toit, ouais, c'est balèze. Ouais. Ah ouais. C'est balèze. Oui, c'est une belle isolation. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Donc, en termes de construction, voilà. Comme on l'a dit en amont, le fait que Trigano… Alors, je me permets, Eddy, pardonne-moi, oui, je suis désolé, tu as juste inversé, le toit est en 56. Oui, c'est l'inverse. Et le plancher est en 62. Pardon. Pardonnez-nous, pardon. Excusez-nous. Voilà. Vous faites la même chose que j'ai dit, à l'inverse. Voilà, en fait, il faut rouler véhicule sur le toit. C'est ça, parce que c'est possible aussi. Donc, excusez-nous, hein, 62 sur le plancher, 29 sur les parois. Et sur le toit, 56. Pardon, 56. Excusez-nous. Autant pour moi. Oui. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Donc, pas d'ossature bois. Voilà, pas d'ossature bois sur ce véhicule-là. Allez, c'est parti. On va retrouver donc dans le pack Vista nos jantes alu en 16 pouces. Ouais. Viens voir nos grands rétro type bus avec angle mort de série. Voilà. Très bien. Hein, hein. Allez. Ici, alors pareil. Ça, c'est costaud, ouais. Ça, c'est, ouais, c'est costaud. Ces poignées de porte, ils les ont changées il n'y a pas très longtemps. D'accord, c'est de nouvelles poignées de porte. Ici, on va retrouver un coffre de rangement. Très bien. Très bien. Ici, une première baie, vous la voyez, elle est coulissante avec le cadre anti-effraction. Notre porte-cellule, l'éclairage LED qui fait partie du pack Vista. Porte-cellule XL, hein, XL, ouais. Ouais. Notre branchement PD7 classique. La baie, la sortie pour… la haute aspirante. Je sais pas quoi. C'est la haute aspirante. Tout à fait. On est monté dedans pourtant quand même. Ben oui, bon, je me rappelle plus, tu sais, on a mangé entre temps. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'à chaque fois c'est galère. La sortie de notre système de chauffage, enfin boiler, oui, le chauffe-eau. C'est ça. D'accord, parce qu'on va le voir par la suite, on est sur un Webasto plus le chauffe-eau en trou main. Oui. Notre emplacement ici pour notre bouteille de gaz en 13 kg en propane. Donc on normal prend… qu'il n'y en ait qu'une, exact, puisqu'on est en chauffage Webasto. Tout à fait. Donc Webasto, chauffage gasoil. Hein. Chauffage gasoil. Ouais. Le petit logo, on voit ici, on a la petite tirette, donc toute simple, qui est juste ici avec la guillotine. Je viens tirer, je viens vider mes eaux usées. Voilà, si on peut dire quelque chose, et Franck a eu l'honnêteté de le dire, il travaille déjà dessus, je vous le dis, c'est la position de cette vanne de vidange. Ouais, ça nous a un peu choqué quand on a regardé, ouais. C'est la position de cette vanne de vidange qui est derrière en effet la roue, qui peut amener à être salie, à être sale. Donc c'est vrai que quand on tire, ben, l'avoir sale, c'est pas top. Donc la décaler ou après mettre une bavette, ça se fait aussi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Franck nous a dit que c'était quelque chose qu'il avait demandé à faire évoluer. Au niveau du BE. Ouais, mais c'est vrai que ouais, avec les projections de là, quand il pleut, tout ça, ouais, t'es obligé de mettre une bavette pour être tranquille. Ouais. Quoi. Avec une baguette, une bavette, t'es tranquille. Ouais. En attendant que ça soit changé. On arrive à notre soute. Alors, parce que là, on est en 7 mètres. Alors, quand je dis soute, voilà, c'est soute modulable. D'accord. Vous allez voir l'implantation à l'intérieur. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Nous, on aime beaucoup ce qui est un peu différent, différenciant. Donc là, la soute, elle est réglable en hauteur. Oui. Donc, le réglage, il se fait de l'autre côté. On va y passer après. Mais là, déjà, au niveau de la soute. Là, tu es au plus bas, là, je crois. Là, hein. je suis au plus bas. Au niveau de la soute, donc, on va retrouver un revêtement au niveau du sol, un revêtement antidérapant. On va retrouver des rails d'arrimage avec les crochets. On va retrouver notre grand bandeau LED qui fait toute la longueur qui fait voilà, toute la longueur de la soute. Ouais. Donc là, on voit au niveau polyester. Ils ont rajouté, tu vois, des petits tendeurs ici de telle manière à mettre table, chaise et d'autres choses. Attends, parce que tu as les crochets d'arrimage dans la soute plus sur les côtés avec les tendeurs. Ouais, et tu en as encore là et après, tu peux jouer vraiment comme tu veux. Ah, ok, d'accord. Et on va passer par la face arrière là aussi qu'on trouve plutôt sympa. Ouais, elle est travaillée. Ouais. Voilà, une face arrière travaillée. On voit une grande baie rectangulaire ici. L'œilleton au niveau de la caméra de recul. Ouais. Et comme quasiment tous les Trigano, si je ne m'abuse, le pré-équipement porte-vélo. Très bien. Et de ce côté-là, on va retrouver donc notre accès pour régler le lit. Donc on met le bitonio, clac, clac, hop, 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 et on lève. Hop.
Donc là, vous allez pouvoir voilà, aménager votre soute, mettre la hauteur que vous voulez. C'est dur un peu à... Non. Non, ça va tout seul. Ah ouais, ça va. T'es bien là. Ouais, je suis bien. Puis ça te fait un peu d'exercice. Oui, ça me fait pas de mal. Bah oui. Quand il y a quelqu'un d'autre, ça ferait pas de mal non plus. Bon, on a compris. Bon, ça remonte, globalement, ça remonte quasiment jusqu'en haut, quoi. Ouais. Alors, autre chose dans la soute, elle est bien évidemment chauffée. On va retrouver de la prise de 120 et de la type allume-cigare. Donc là, ils pensent notamment à ceux qui veulent charger des vélos électriques. Si vous mettez l'autonomie, les convertisseurs, tout ça qu'il faut. Mais c'est prévu, c'est de série. Ouais, c'est bien. Ouais. Oui, oui. Ouais, beaucoup 60, de choses de série. 66 000 euros. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses de série. Ok. Allez, on continue notre grille d'aération. Une noire, une blanche. Hein, ouais, c'est. Souci du détail. Ouais, c'est vrai. Là, on a les décalcos noirs, ils ont mis du noir. Et là, on a rien, ils ont mis du blanc. Non, mais c'est. Souci du détail. Oui. Notre WC qui est fermé. Qui est fermé. Classique. Ah il fallait bien qu'il y ait quelque chose. WC, notre baie ici en salle d'eau. La grande baie latérale au niveau du salon. Notre remplissage des eaux propres. Ouais. Et ici notre gasoil avec la Deblue évidemment. Ouais, la petite trappe qui ferme. Ouais, la petite trappe. T'es sur une porte fermeture. Deux points. Hein. Ouais, on peut voir, tu autorises. Fermeture double point. Ok. Fermeture double point. Centralisée évidemment. On peut y mettre un petit. Non, non, tu dis pas, toi, ça y est, toi, t'es convaincu Bénimar. Le truc que tu dis où c'est bien dans d'autres marques, là, ça y est pas et tu dis rien. De quoi, mon petit chat? Bah, réfléchis. Je vois pas de quoi tu parles. Bah, on. Au-dessus de non, la porte. Oui, non. Oui, la petite gouttière. La petite, on aime bien. On aime bien avoir une petite gouttière ici. Bon, ça se rajoute facilement tout seul. Mais ouais, bon. Oui, oui, tu mets une petite gouttière bricolée chez toi, ça va bien. Oui, enfin bon. Voilà. C'est des petits trucs. C'est des petits trucs. Mais il y a déjà beaucoup de petits trucs oui, c'est vrai. Pour le prix. Oui, oui, non, non, voilà. Mais on est bien d'accord. T'énerve donc pas. Donc voilà pour le. Mec, il est déjà vendeur Bénimar. Voilà pour le tour. Et non, parce que tu le sais, on ne vend pas la marque Bénimar. Et non, c'est ça qui est génial. Pas. Et nous, on s'en fiche au final. Allez, allez, la cabine. Viens. On va voir la cabine. Oui. Alors, portique XL avec deux points de sécurité, fermeture centralisée, notre occultant pour la baie, une grande poubelle, bien pratique, et la porte moustiquaire. Pas mal, une portique XL dans du 7 mètres, mine ouais. De rien, c'est bien. Ouais, c'est bien joué. Mmh. Tu montres pas tout. Hein. Oui, pardon. Hop. Allez, la cabine. Essayez de pas tomber surtout. Allez. Ah, ça faisait longtemps. Eh ben voilà. Coucou toi. Donc bon, hein, on est sur notre porteur Fiat. On va retrouver les classiques, rétroélectrique, vitre électrique. Commando volant de série. Ouais. Le volant et le pommeau cuir gainé. Les contours chromés, ça c'est le pack Vista. Mm-hmm. On va retrouver après de série, donc notre autoradio. 6.2 Android ouais. Apple CarPlay ouais. Qui est couplé à la caméra. La caméra elle dans le pack Vista. Climatisation, le Traction Plus, le e-holder dans le pack Vista. Nos ports USB 12 volts. Le classique boîte à gants réfrigérée. Notre petite tablette qu'on affectionne pour les smartphones, les tablettes. Mm-hmm. Double airbag. Un truc qu'on aime bien aussi, c'est l'interrupteur pour l'autoradio on-off qui prend directement sur votre batterie cellule. Pas besoin ouais. De mettre le contact. On va retrouver nos stores plissés sur le grand pare-brise. Ça passe là? Ouais, ça passe au-dessus du pont. Tu vois? Oh là là, c'est tu vois, avoir le grand pare-brise comme ça. Oh là là. Ouais, bah, c'est surtout que tu conduis vachement souvent comme ça, allongé sur le non, volant. Non, mais quand tu as besoin de regarder, tu vois. Ouais, regarde la route. Ou, regarde si tu veux, regarde ici, c'est beau. Ouais. Alors, les stores plissés. Donc là, on est sur un système de stores qui vient se rejoindre ouais. Au milieu. D'accord. Okay. Et puis les latéraux avec un pour la fenêtre ah, c'est bien, et l'autre ça. pour le triangle. Ah, ouais, c'est pas un grand store qui fait tout. Ouais. Ça c'est bien. C'est ça. Par contre là de ce côté-là, oui, c'est bien un grand store qui fait tout. Hein. Voilà. Ça, on a les haut-parleurs ici, les deux haut-parleurs qu'on a en cabine. Mm-hmm. Hop. Et voilà. Après au niveau de la façade avant, bon rien de spécial. Oui, oui. Voilà. On va donc passer donc dans le salon. Je vais pivoter. S'il te plaît. Donc, nous voilà, on a retourné les sièges, on est en position donc à l'étape, hein, en salon. J'ai mes doubles accoudoirs ici. Je vous montrerai ça après. Je vais rester un petit peu pardon. Ici. Donc, juste pour te montrer encore du type allume-cigare, du 220, du double port USB. Très bien. Un rangement ici.
C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir, tu sais, le petit rangement sur beaucoup d'intégraux, le petit rangement qui se lève. Bon, le parti pris est d'avoir fait un rangement ici. Ouais, ouais. Ça rentre aussi les pépites sans problème. Qu'elles soient là-dedans fermées ou qu'elles soient là à la disposition, ça me va bien. Ok. Oui. Donc voilà, position salon. Donc, on est sur du 5 places. Hein. Donc, je montre toujours pas là. Hein. Tu peux y aller. Vas-y. Ah, je peux montrer. Ouais, tu peux y aller. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment sans problème. Ouais. Ce véhicule, vraiment, ce qui nous a frappé, c'est au niveau, il y a plusieurs choses, c'est au niveau de la fonctionnalité. C'est vraiment un véhicule qui va être fonctionnel pour de la famille notamment. Et puis cette table qui est elle immense. Est énorme. Qui est immense. C'est en termes de largeur, en termes de rallonge, on est sur un 7 mètres. On est sur un véhicule de 7 mètres avec voilà, une table. J'ai rarement vu une table aussi balèze. Ouais. Regardez la largeur de la table. La largeur de la table. Donc, le parti pris là aussi, c'est lié aux expériences des utilisateurs, le retour des utilisateurs parce qu'ils écoutent aussi leurs clients. C'est du familial, donc on le sait bien, quand on a les petits qui sont assis derrière, qui sont en train de jouer au Uno et tout ça et que c'est l'heure de manger, range le truc. Quand tu as une petite table, tu le mets sur la banquette, tu le mets à côté, tu le mets par terre. Là, tu pousses le jeu de cartes là ici et je peux te dire que tu n'es pas embêté. Là, ouais, en fait, t'as un salon qui correspond qui est fait pour le nombre de places du véhicule. Quoi. Souvent, tu as du 5 places carte grise, mais avec un salon où à 4, tu es à peine à l'aise. Ouais, c'est ça. Ouais, là c'est... vraiment, c'est, ouais, ouais. T'as un salon où tu es à l'aise à 5. C'est vrai, c'est à vrai. 5. Ouais. Là, voilà, la table, elle est vraiment spacieuse. Allez, ouais, c'est impressionnant. Cette rallonge, là. Donc, effet un peu marbré d'Italie, puisque c'est espagnol. Oui, oui. Mais c'est designé par un Italien. Ouais, oui. Bah, juste la face extérieure. Oui. Ici, on va retrouver, donc, pareil, des occultants et moustiquaires. Parfait. Alors, pareil, le choix est pris de prendre ces stores-là, mon poulet, plutôt que les remises qu'on a l'habitude de voir plisser. Mm-hmm. Pareil, parce que c'est du familial. Donc, oui. on sait que pour les enfants, parfois, d'avoir les stores plissés, ça peut être un peu plus fragile. Ouais, tu mets un coup dedans dans le store plissé, ça fait un peu mal. C'est un peu compliqué. Donc là, non pas qu'il faut y aller et aller toutes les 5 secondes, hein, il faut faire attention quand même, mais ça craint un petit peu moins. Quelque chose qu'on apprécie. Hein, mon petit chat, ça tu aimes ça. Hein. Oui, 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 oui. Hein, ça, c'est ton truc à toi, ça. Bah oui, mais bon. Voilà, ça c'est top. Donc des baies à pression, tout simplement. Donc là, hop, vous la mettez où vous voulez. Voilà. Ouais. Il n'y a pas besoin de clic. Et vous la refermez. Ça, on aime. Voilà au niveau de la table. On va passer sur ce côté-là. Oui. Alors, je vais te montrer deux choses. Donc, on est sur un 5 places carte grise. Donc, 1, 2, 3, 4, les classiques avec les ceintures. Et la cinquième. On est sur un 7 mètres et ils sont arrivés aussi à faire une cinquième place carte grise face route. Ça, c'est bien joué aussi. Dans du 7 mètres. Dans du 7 mètres. Pareil, un détail que j'ai aimé. C'est ça, Cyril. Donc, on a les scratchs parce que j'étais en train de faire ça. Je disais, oh, ça tient pas. Et ben, il laisse au bon vouloir du client. Ah, voilà. Le fait de ne pas scratcher son véhicule. Ouais, voilà. Oui, enfin bon, non, mais... oui. Enfin, il mettrait un aimant, ça serait bien aussi. Ah, oui, on préférerait. Oui, voilà. Non, mais en effet, tu n'es pas obligé de scratcher ton. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des clients, ils s'en foutent de ça. Oui, et ça les énerve de scratcher des scratchs. C'est vrai. Pareil, là, ça te permet aussi de voir un détail. Hein. C'est, tu vois, c'est le coussin, ils ont fait le rebord. On sait que sur certaines marques, parfois c'est quand on monte en gamme où on va retrouver le rebord pour venir finir. C'est vrai. Là, c'est de série. C'est bien joué. Il y a deux, trois petites choses. Il y a deux, trois petits détails, c'est bien joué. Hein. Donc là, on est donc sur notre position face route. Très simple à mettre en place. On va retrouver notre appui-tête. Tiens. Avant que je mette ça, viens voir mon poulet. Oui. Sur cette cinquième place carte grise, on est en ISOFIX. Ah. On a les ISOFIX. Ça sera sur la seule. Uniquement ici. D'accord. On va retrouver un petit rangement ici, avec du technique aussi en plus. On peut y mettre des choses quand même. Oui. Donc là, ce qui vient de me passer, mon petit chat, je vais le mettre tout simplement là. Hop. Je te passe le reste, hein, tant qu'on y est. Quelle équipe, quelle équipe. C'est comme tu le dis souvent, ça glisse comme Alice. Allez, voilà. Donc là, je suis en cinquième position face route. Pour rappel, je fais 1m92, j'ai vraiment des grandes gambettes. Donc là, moi, je suis... Ouais. Voilà. Ça se fait. Ouais. Si vous avez je serais bien, je pense, dessus. Donc, un gamin, un petit enfant, ça tient bien. Ici, on va retrouver donc notre baie coulissante. Toujours agréable quand on voyage, d'avoir une visibilité. Et puis, on le sait, camping-cariste,
avoir des baies sur les côtés, sur les, de ce côté-là, sur les côtés, ça permet de voir aussi. Donc quand on a la table, s'il y a du bruit autour la nuit, eh ben, on peut voir facilement avec toutes les baies qu'on a, et notamment derrière aussi où on verra après. Tout à fait. Ok ? Ok. Voilà notre cinquième place carte grise. De ce côté-là, rien d'exceptionnel. D'accord, je vais te le montrer. T'as la réserve, non ? Ouais. Je vois que tu veux rester. Ah oui, je veux. Donc, notre réservoir d'eau avec la pompe. Sureflow Panther 6.8 LM en 169 11 slow blow fuse. C'est une 6.8 LMP, je crois. Ouais, c'est en 5 amp. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est classique. Ça s'est fait. Les vendeurs tout pourris. C'est ça. Ouais, voilà. Bon, on remettra ça. Oui, on remettra après. Oui, t'énerve pas. On remettra ça après. Allez, position salon. Ce serait bien quand même de le. Hop. On va baisser les sièges. Donc la manipulation, on a la manette. Si elle n'est pas à droite, elle est à gauche. Cherche-la bien, la manette. Hein, voilà. Cyril. Ah ouais, mais là c'était trop beau. Ah ouais, mais excuse-moi, Eddy. Je pouvais pas laisser passer ça. Surtout qu'en plus, elle est à droite et à gauche. Et puis les gens, ils y ont pensé en plus en voyant ça. Ils y ont pensé. Et ils m'ont demandé, Cyril, fais-le. Allez, descends-moi ce lit pavillon. Après, j'ai des marques. Après, je suis tout griffé. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop, allez, notre lit pavillon. Donc, tu as vu hein, au niveau du travail de la. Ouais, c'est joli. Du dessous de lit, on va dire. On a du rétroéclairage. Un grand bandeau aspect bois ici avec les LED. Et on descend simplement le lit. Hop. Ah, t'as rien eu besoin de toucher ? Non, aucune modification, mis à part les deux sièges évidemment devant. Okay. Donc, on retrouve. Notre lit pavillon, notre grand lit pavillon avec un double sommier à latte, les filets anti-chute si on met les enfants, les petits-enfants. Un truc qui disparaît. On a un lit de 140. Hein. Ouais. Un lit qui disparaît de plus en plus ou qui est en option, c'est ce rideau-là. Nous, oui, c'est ça, vrai. Voilà, on trouve ça sympa d'avoir le rideau qui ferme complètement ta chambre. Tu mets les gamins, ça leur fait la petite cabane, ils sont contents avec les peluches et tout et ça. Et c'est de série. Et c'est de série, ouais. Ah, c'est vrai. Et après, on remonte le lit qui est assisté bien sûr par Vérin. Et on revient fermer notre petite ceinture. D'accord. Plac. Très bien. On va retrouver encore un petit rangement haut ici avec un petit rebord. Toujours en haut, un placard ici. Très charmant. Avec notre éclairage LED. Plus un rangement encore là. Okay. Tous les placards, ils ont un frein. Ah oui. D'accord. Ils ont un frein. Ils se ferment tout seuls ou ils sont freinés. Non, c'est une assistance. Ouais, okay. Tu viens mettre un petit coup dessus pour le fermer. D'accord. Voilà pour la partie salon. On va continuer ici, Cyril. D'accord. Et après, on passera en cuisine. Ok. Alors, ça nous a paru étrange, hein, on va le dire. Hein. Ouais, oui. Ouais, d'avoir le support télé ici, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Peut-être mais on n'a pas l'habitude. Plus facile, c'est peut-être plus facile de voir la télé quand tu es assis là. Je sais pas. Voilà. Nous, on trouve ça bizarre. On a tellement l'habitude de voir la télé là, mettre nos démos ici, avoir les fils qui passent en cachet et avoir une télé là. Après, c'est vrai que la télé là, tu vois, avec le placard, elle touche. Oui, enfin, tu modifies le placard après. Tu réduis la porte. Voilà. Maintenant, bon, le choix est pris. De mettre la télé ici au-dessus. Pourquoi pas? Et on va passer sur notre de ce côté-là avec le panneau de contrôle. Donc le pré-câblage évidemment pour la télé. Notre panneau de contrôle qui est simple, hein, allumage du 12 volts, la pompe à eau, l'éclairage extérieur, notre température intérieure, notre température extérieure, hein, il fait pas chaud. Hein, très bien. 16 degrés, la batterie cellule, la batterie moteur et les réservoirs d'eau propre et les réservoirs d'eau usée. Là on est branché en 220. La commande du Webasto. Donc on est sur un Webasto 4000. Donc là on vient régler uniquement le chauffage ici. Mm-hmm. C'est les dernières générations de Webasto avec un espèce de kit altitude qui est programmé dedans. D'accord. Donc jusqu'à 2200 mètres, il gère tout seul. Donc aucun problème au niveau de la différence de pression et tout ça, il n'y a pas de problème. Après il y a un kit altitude, vraiment il y a un kit altitude qui existe encore en plus. Et celui-ci déjà 2200 mètres, il gère tout seul. Carrément. Ok. Enfin, Webasto leader, allié à Trauma. Quel est l'intérêt pour la marque d'avoir travaillé, enfin, de mettre du Webasto plutôt que du Trauma en chauffage?
Alors, le Webasto, ça fait très longtemps, tu le sais bien, que Trigano travaille avec Webasto. Bien sûr. Webasto, c'est le numéro 1 en termes de chauffage diesel. Mm-hmm. D'accord. Donc, c'est connu, reconnu, et puis ça a vachement évolué. Après, il y a une question, une politique tarifaire aussi, Cyril. Bénimar, bah, il cherche à avoir un prix agressif aussi. Oui. Donc, l'alliance du Webasto plus le chauffe-eau Truma, eh ben, ça faisait partie du meilleur compromis rapport qualité-prix. Ouais, ouais, c'est moins cher qu'un Truma qui un combi qui sera plus cher. Okay, d'accord. Voilà. D'accord. Très intéressant. Et puis après ici nos éclairages. Pendant qu'on est là, ah, non. Tu veux, non, c'est non, la cuisine, non, ça a dit attention. Là. C'est pas là. Attention. Non. Ah si, tiens, bon, parce que vous savez qu'on montre tout, parce que les gens qui vont être intéressés par ce modèle qui se rendront en concession, comme ça ils verront tout. Là, oui, attention. En sachant qu'il n'est peut-être pas dans toutes les concessions. Et ben justement. Là au moins peut-être que tu pourras le commander sans même le voir sur la concession. Grâce à la vidéo. Grâce à la bien vidéo. Joué. Donc là, hein, c'est pas le coffre pour les chaussures, c'est les portes-fusibles, ok? Ouais, au moins c'est accessible. C'est ouais, accessible. T'as pas de porte-chaussures, enfin t'as pas de placard-chaussures non, du coup. Pas de placard-chaussures à l'entrée du moins, bon. Ok? Ok. Allez, on va passer en... Cuisine. Non, toujours pas. Non, non, j'ai encore des choses à dire. Ah putain. Le lanterneau, ici, okay. Au-dessus de toi, d'accord? Et puis le petit rétro-éclairage à l'entrée que je trouve très joli aussi. Ah bah toi, tout ce qui fait de la lumière, hein, tout ce qui fait de la lumière. Oui, parce que la lumière fut. Comme disait, la lousse. La lousse. Allez. Allez, vas-y, viens, on va en cuisine. Ma partie préférée. Oui. La cocina. La cucina. Si. Tout va pas. Non, l'évier, il veut être là. Alors. Alors, la cuisine. Arrête. Arrête. Arrête! Allez! Alors, donc. Parce qu'on est un peu en pente dans le garage. Ouais, bien sûr, ouais. Toujours pas. Hein, toujours à l'impro. Hein. La cuisine! la cuisine! Allez, Cyril, reprenons-nous. Reprenons-nous. Donc la cuisine, on va retrouver un évier classique, un évier classique. Oui, ici. Tout à fait. Tiens, hop, allez, laisse-le vivre. On va retrouver nos plaques de cuisson ici. Donc on est sur un 3 feux en ligne avec un allumage électrique ici. Oui, ça laisse ce qu'on en pense. Voilà, 3 feux, bon ouais, dommage, hein, on préfère les 2 feux. Ouais. Ça laisse tout de même un plan de travail ici, de quoi bosser. Ouais, la cuisine est grande. La cuisine est spacieuse. Mais en plus de ça, tu peux, alors je vais juste vous montrer ça. En plus de ça, si tu veux avoir un peu plus de plan de travail, tu vas venir clipser ça ici. D'accord. On a déjà vu ça quelque part. Ouais. Oui, mais ils prennent aussi ce qui est bien ailleurs. Mais oui. Donc voilà, un petit plan de travail en plus. On va retrouver quelque chose qu'on aime beaucoup. Oh ! On aime beaucoup. Un tiroir ici à l'entrée. On trouve ça très bien. Donc là, tu alors, dois au bien... final, enfin bon, c'est pas forcément fait pour, mais les tongs, les machins, tout ça, tu peux aussi les en mettre là-dedans finalement. Oui, ouais. Tu fais ce que tu veux en même temps. En même temps, oui, vous faites ce que oui, vous voulez. Oui, voilà. Sinon, on fera pas grand-chose au final parce qu'on l'achètera pas. Mais non, ou mettre des choses, par exemple l'été ou quand il fait beau, tu sais que tu es plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ouais. Tu vas mettre des choses que tu vas venir prendre souvent. Oui, oui. Donc les chips, les cacahuètes, les pépites, tu les mets là, comme ça t'es dehors. C'est bien. Là, non, mais il est astucieux ce rangement. Astucieux. Ouais. Bien pensé. C'est vrai. Alors, on va passer au placard bas. D'accord. Donc ici, on a un petit système de poignée dessous qui est caché. Okay. Nos arrivées gaz. Très bien. Le petit tiroir ici. Hop. Un grand placard. Casserolier. Ouais, un grand placard dessous. Ok. Hop. Notre grand tiroir ici avec le range couvert. Bien joué, ouais, il est balèze, ouais. Putain. Donc on est tout avec des freins. D'accord. Et ici, encore un grand tiroir. Alors, petite astuce, parce que, attention, il y en a un qui est caché. Ah bon ? Regarde, dis donc. Ah ouais ! Alors, quand je dis petite astuce, c'est pour ouvrir celui-ci. C'est-à-dire que si j'ouvre complètement celui-là, vous allez vous embêter à le prendre. Vous revenez ici un petit peu et vous venez le saisir tout simplement. Oui, d'accord, très voilà. Bien. Ah non, très ça, bien. Ça, les gens le verront de même à l'usage. Ouais, bien sûr. Et on vient faire. Hey, mine de rien, attends, Léo, il y a du rangement là-dedans. Il y a du rangement en bas et c'est pas fini puisqu'on a les rangements haut. Et on va retrouver encore du placard. Bon, vous le savez, ceux qui veulent aménager, on aime bien avoir des petites étagères supplémentaires comme dans la cuisine, comme dans le salon, pardon. Vous pouvez l'aménager, vous l'aménagerez comme vous voulez. Et là, du coup, il est moins profond, forcément. Mais oui.
puisqu'il y a la partie de la hotte qui vient passer derrière et qui est cachée. Ah ouais, ici, on trouve la petite hotte avec notre LED. Ah, la hotte, moi j'adore. Ouais, ouais, on sait que tu adores. Moi j'adore. Je trouve que c'est bête. Ça t'aime bien. Moi j'aime bien avoir la baie ici. Tu cuisines, tu ouvres ta baie. Tu me dirais quand tu cuisines l'hiver. Ah oui, exactement. Quand il fait froid, tu ouvres pas ta baie. Je suis désolé. Tu peux, ça va. Oui, bah, c'est super. Comme ça, tu gaspilles du gasoil. Oh, ça va. Ah, ouais. Voilà. Ah ouais. j'ai eu peur. Oula. Je suis là, c'est pour Bibi. Merci Franck. Il est pour moi. Donc là, tu retrouves un éclairage ici qui est somme toute sympa. Alors bon, ça part, je sais pas pourquoi. Ça sert à rien, pourquoi ils ont mis ça. Ouais, c'est pour. Là, par contre, non, si tu vois bien, quand tu fais à manger, tu vois bien. Voilà, c'est bien joué. Et du coup, j'ai enlevé le joint. Allez, le petit porte-épices, bien pratique. Ah, c'est pour nettoyer là. Ouais, c'est, ouais. Ouais. C'est pratique. Voilà pour là. Et puis en plus, porte-épices rétro-éclairé. Donc tu imagines que si tu l'éteins là, tu l'éteins là. Même la nuit, je peux retrouver mes épices. Oh là là, c'est pas vrai, Eddie. Non, t'es pas tout éteindre avec ça. Mais arrêtez-le. C'est que des rétroéclairages. Regarde. Chérie, j'ai une petite envie de ciboulette. Oui, mais c'est 3h du matin. Je m'en fous, je veux ma ciboulette. Et ben, je la retrouve. Voilà, allez, on passe en partie salle d'eau. Ouais, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de machin. On s'en tape tout seul. Ouais, c'est pas un problème, ça. Du moment que j'ai ma ciboulette. Exactement. Donc, on est sur un frigo. Ah, ben, il a tourné en plus, c'est bien. On est sur un frigo trimixte hein, qu'on connaît, 12-220 gaz, avec le compartiment. Très bien. Pour les bouteilles d'eau, l'avantage, c'est qu'on met des bouteilles d'eau d'un litre 5 là-dedans. Très bien. Et le compartiment attend. Oh, malheur! Oh, malheureux! Oh. Regarde comme il fait froid. On a branché en 220, il marche. Bah oui, on l'a branché hier soir. Il marche bien. Hein. 220. Freezer, pardon. Oui. Hop. Oh. Et encore un rangement au-dessus de notre frigo. Et on passe en partie salle d'eau. On montre pas la penderie? Non, tu monteras après. Partie chambre, ouais. Allez, d'accord. Salle d'eau. La salle d'eau, attention. Oui. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. 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 Ouais, allez, on va pas la faire. On passe en salle d'eau. Alors avant, petit détail là encore. Ouais, souci du détail. C'est leur fournisseur qui leur a dit, tiens, je vais vous faire un B. Et pas faux parce que B comme Bénimar. Ah ouais, impressionnant. Et en plus, ils ont fait le B, on dirait vraiment le logo Bénimar. Ouais, quoi. Ouais, non, c'est ah bien ouais, ça, hein. C'est incroyable. Une grande glace ici pour se voir. Allez, on passe en salle d'eau avec notre poignée type habitation, une vraie poignée. Tout à fait. Et on y va. Donc là, on va retrouver une marche ici. Tiens, je vais en profiter pour quitter mes chaussures. Alors, marche pour rentrer dans la salle d'eau. Ouais, une petite marche. Hein. On est sur un parti pris, j'imagine aussi. Oui, oui. Bah oui, parce qu'en effet, tu le sais, il n'y aura pas de passage de roue. Allez, je passe en partie toilette. Donc toujours un classique avec ma cuvette qui tourne. Je vais aller sur les meubles bas. Petit rangement ici avec mon support papier WC. Nickel. On a bien sûr une aération ici. Une quoi? Une bouche d'aération en bas. Ah, pardon, j'ai cru que tu parlais de ça, la bouche d'aération. Ah oui. Ah, c'est pour ça que tu m'as regardé comme bah ça. Bah oui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Ouais, non, oui, wow. Ouais, non, non, bon, quand même. La vasque ici. D'accord. Notre, lui, l'avantage, c'est que lui, il ne va pas de droite à gauche. Il reste fixe. Ça, c'est bien. J'aime. On va retrouver notre baie, toujours avec les stores et occultants. C'est toujours les mêmes cassettes. Ouais. Un petit détail que j'aime bien, c'est le pousse-mousse. Et puis, pour la brosse à dents, c'est ouais, série. Ça a disparu, ça, ouais. De plein de marques. Ouais. Ouais, ouais. Cette série. On va retrouver ici pour un porte-serviette, toujours pour le peignoir. Logoté CH ici. Donc, du miroir en veux-tu, en voilà. Et on va passer au meuble haut. Voilà. Donc là, tu mets les cosmétiques, vous mettez bien ce que vous voulez, de toute façon. Tout à fait. Et on retrouve en plus de la fenêtre, on retrouve encore un petit lanterneau. Parfait. Et je passe en douche. Ah, j'y étais déjà en fait. Alors, attends. Oh. Bah, vous allez me croire, les amis. Donc là, j'ai mon caillebotis. De série. Ouais, de série. Je retrouve deux bondes, une ici. Parfait. D'accord, j'ai les deux bondes d'évacuation. 1m92, toujours pour ah rappel. Ouais. J'ai laissé le caillebotis. 1m92, je suis bien. Enfin, je suis bien. J'ai pas la tête dans le lanterneau. Du tout. Bah, en plus, il n'y en a pas. Ouais. Donc, ouais, mais comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Oui. Donc, encore un porte-serviette ici. Hop.
et je viens fermer, regarde, une seule porte, un seul abattant, je viens fermer et je suis dans ma douche. Et là, elle est immense, j'ai quoi. De l'espace. Ouais. Petit bémol. Oui, oui, oui. Petit bah oui, bémol. Et oui. La porte de vide, vous le savez, bon, moi je suis un peu hors norme, 1m92. Quand je me lave les cheveux, je suis sûr d'en mettre, d'en foutre de partout là-bas. Je mettrai un tapis, c'est pas bien grave. Pour les gens qui ont une taille normale, ce sera pas très gênant. Mais on se le demande pourquoi il pousse pas de 10 cm quoi. Cette porte-là, rajoute 10 et ça suffit. Ouais. Tu peux même monter jusque-là. Hein. Oui, parce que là, elle va tout en bas. Elle va tout en bas, c'est très bien. Oui, c'est vrai que tu es sûr de pas mettre d'eau à l'extérieur par le bas. Couler. Exactement. Donc le ruissellement de l'eau, ça restera dans le bac à douche, ça c'est bien joué. Faites-la un peu plus haute. Ouais. Faut demander aux fournisseurs. C'est les fournisseurs qui... Oui, parce que c'est pas Benimar ni les autres marques d'ailleurs qui ont dit. Voilà. Ouais, c'est le fournisseur des portes. Dites-leur de vous prenez la taille au-dessus. Démerdez-vous. Ouais. Après, après voilà, au niveau de la colonne en elle-même, toujours un rétroéclairage. Voilà, c'est plutôt design. C'est vrai que Benimar, au niveau design tant extérieur qu'intérieur, c'est contemporain. Hein. Oui, clairement. C'est rétroéclairage. Et t'as vu, tu vas retrouver un corps du porte ici hein, pour les savons, les gels douche, les shampoings. Et encore en plus une petite patère avec le logo Benimar ici. Donc en plus de l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, salle de bain spacieuse hein, Cyril. Même en largeur, je suis sûr que toi, je suis sûr que tu peux te mouvoir facilement. J'ai pas envie de te répondre. Pourquoi? Je sais pas. Donc non, ouais, bel espace salle d'eau. Ouais. Voilà. Non, très belle réussite sur la salle d'eau. Ouais. Ouais. On est dans du 7 mètres, hein, je le rappelle. Hein. Ouais. On est dans du 7 mètres. On est dans un 7 mètres. Ok, allez attention. Le clou du spectacle. Oui, oui. Ah oui, alors. Allez, on va vous montrer la chambre après. Une partie de la chambre, donc c'est la penderie, une très très grande penderie. Ouais, donc là, je peux te dire que les robes de soirée, elles y rentrent. Bien sûr. Hein. Et puis, que c'est important. Ah oui, oulala. Et on va retrouver des rangements bas ici. Ouais, t'as pas d'espace perdu. Hein. Non, avec du technique dessous et notre petit pour le boiler. Le chauffage. Le chauffe-eau, pardon, excusez-moi. Pour le chauffe-eau. Et on va se retrouver donc au niveau des lits. Donc là, on est vraiment sur un véhicule au niveau de la chambre où c'est modulaire, on va dire ça. Ouais, c'est ultra. On fait ce qu'on veut. Ouais. Vous êtes deux, vous êtes quatre, vous êtes cinq. Vous pourrez trouver le système sans avoir à bouger quoi que ce soit. Ouais. D'accord. Donc là, on l'a mis en position haute au niveau de la soute. Donc là, j'ai la soute king size. Donc le maximum en position haute, on arrivera ici. D'accord. La soute est remontée à fond. Donc, l'accessibilité, elle se fait par les deux petites marches, elle se fait d'accord. Facilement. Ouais, pour les enfants. Si, voilà, si vous êtes deux adultes, le lit parental là-bas, on met les petits-enfants ici sans aucun problème. Mais t'es d'accord que là, on met deux enfants en fait. C'est un lit sur soute. Là, je sais pas si tu le vois bien. Ouais, on peut dire que c'est un lit sur soute. Regarde au niveau de la tête. Ouais, donc, ouais, tu cales deux gamins facilement. À 130, bien sûr, ça vient se rabattre ici, mais deux gamins sans problème quoi. 5, 6, 7, 8, 10 ans, peu importe. Les deux gamins, ils peuvent rentrer là sans problème. Ok. Est-ce qu'on peut voir la soute? Ouais. Bim! Là, il y a de la soute. Ah ouais. Donc là, amateur de VTT, de funboard, de longboard, de tout ce que vous voulez, qui en finit en board, j'ai, alors crois-moi mon petit chat, j'ai de main gauche. J'ai 119. J'ai 119 ici. Ah ouais. J'ai 119 de ce côté-là. Vraiment, voilà, là, ça vous fait une soute garage. D'accord. On appelle ça une soute garage. Donc là, vous pouvez rentrer vraiment des choses en hauteur sans problème. Et en sachant que vu que c'est manuel, oui. On est d'accord, je peux le descendre comme je veux. Oui, où vous voulez. Vous l'arrêtez où vous voulez. Si j'ai besoin que de 110, ben, je viens l'arrêter à 110 plutôt qu'à 119 ou peu importe, à 105. D'accord. Vous l'arrêtez où vous voulez, de telle manière à descendre ou monter votre lit. Là, vous êtes en position haute. On va le redescendre et on va vous montrer ça à l'intérieur. Allez, et bim, position basse. Donc là, on est le plus bas dans la soute. Du coup, le lit, bah, il est plus facilement accessible forcément. La marche ici. Et on retrouve un lit où toujours on va mettre nos deux enfants. Donc on est sur un 130 hein, à la tête. Même un peu, ouais, 130 à la tête. Et forcément, ça se rétrécit. Mais bon, là, c'est les pieds, c'est pas bien. 110. Donc voilà, là, on est en position basse. Les deux enfants, bah, ils tiennent largement. Toujours 1m92, hein, les amis. Donc on a 2 mètres. Il me reste 8 cm au pied, donc on a 2 mètres large. Donc là, deux enfants, même deux adultes. Hein, ouais, qui s'aiment encore. Qui s'aiment fort. Qui s'apprécient. Hein, qui s'aiment fort. Donc voilà, si vous êtes 4 avec deux jeunes ou même un couple, pas besoin de modifier. On dort à 2 ici, plus 2 là-bas. Ouais, enfin, on peut faire autre chose. Et on peut faire autre chose. Eh ouais, montre tout le... Oui, pardon. Petite baie ici, qu'on avait vu par l'extérieur, mais c'est pas fini. Ouais. Toute l'astuce, toute la modularité, elle est là.
Ah, oh, je voulais le faire comme ça. Ça n'a pas marché. Et voilà. Yes. Et voilà. Un lisse suspendu en plus électrique. Ouais, là, tu le descends très très bas. Je l'ai descendu au max pour que vous le voyez bien. Donc là, on est sur un couchage donc unique. Oui. Hop, attends, j'arrive. Hein. On est sur un classique, hein, un 80. Voilà, donc on a un couchage supplémentaire. Donc la modularité, elle est là. C'est à 5, on est sur un 5 passe 4 grises, 5 pour couchages. Et 5 couchages. 2, 4 et 5. Si vous êtes à 5, 5 je couchages. Je précise, donc 2, là, 4 et le 5. Et 5. Donc forcément, vous allez laisser un peu d'air, vous allez le mettre par ici. Donc il y a les filets anti-chute. Hein, de part et d'autre. Oui, parce qu'on on a un petit creux là. Là, il y a un vide ici. Ouais, c'est pour ça qu'il y a les filets anti-chute. Parfait. De l'autre côté aussi. Du coup, ça nous libère de l'espace de rangement. Dans cet espace-là, tu vois le double port USB. Nickel. Et on a prévu hein, de mettre la tête ici parce qu'on a les éclairages ici, LED. Et pareil de l'autre côté, sous le lit. Sous le lit, on va avoir les éclairages pour le lit du bas. Ok. Ouais, c'est... Modularité. Ah ouais, c'est génial. Donc que vous soyez 2, que vous soyez 3, que vous soyez 4, que vous soyez 5, pas de problème, il n'y a pas besoin de déménager. T'as pas de transformation à faire. Voilà, c'est ça. La modularité, elle est vraiment intéressante dans ce sens-là. Et même à la limite, si t'es tout le temps 4, tu descends un petit peu ton lit. Oui. Là, tu le descends de quelques centimètres. Voilà, tac. Et là, tu peux t'en servir comme d'un un super grand rangement. Ouais. De chargement. Ouais, parce que tu peux charger 150 kilos dessus. Donc ça te fait un rangement supplémentaire. Tu modules ta soute, tout ça. Putain, c'est vraiment intelligent. Donc voilà, on s'adresse. On sait qu'on a de plus en plus de familles qui viennent au camping-car et qui veulent pas forcément de capucine. Hein, de par la hauteur, ils veulent pas forcément de capucine. Ou qui ont le budget d'un intégral. Le budget de l'intégrale. Ouais. Et ben, ils veulent s'orienter et se faire plaisir sur l'intégrale. Donc l'intégrale familiale, là on le retrouve ici. C'était ma conclusion. Voilà. Bien vu. Donc, Bien vu. Je sais pas si tu as vu là, viens voir mon petit chat. Ah oui. Donc on a des fenêtres là aussi ici. Hein. Et oui, quand tu remontes ton lit au maximum, ça occulte cette fenêtre. Voilà. Mais t'en as une quand même là. Et on a deux haut-parleurs en chambre. En chambre. Les deux haut-parleurs blancs ici en chambre. Donc bien pensé. Hein. Il y a des arguments. Hein. Et un lanterneau aussi ici que j'avais oublié de dire. Et tiens aussi que j'ai oublié de dire. Ah, le petit rideau. Le petit rideau. Hop, que je viens fermer. Comme ça. Ah, ça va bien. Là. Ça va bien. Là. Très bien, ça, bouge plus. C'est comme parfait. Ça, tu le fermes et là on est bien. Allez, conclusion. Allez. Allez, conclusion. Pardon. Oui. T'as vu les têtières indépendantes. Les têtières indépendantes. Ah bah oui, du coup on a vu, oui. La cité est très grande. Elle est grande table aussi. Grande table, ouais. Et l'appareil, t'es confort hein, sur cette. C'est bon, on l'a déjà dit, ça va. Alors oui, conclusion, pardon. On remercie encore Bénimar déjà de nous avoir prêté ce véhicule pour vous le présenter. Et puis on les remercie aussi parce qu'ils ont fait partie des premiers à nous faire confiance sur notre bébé que vous connaissez maintenant hein, sur campingcaridéal.com. Donc ils participent financièrement, il y a de la publicité, ce qui nous a permis de sortir le site et bientôt la version 2.0. Non. Qui va être top. Voilà, notre site Camping Car Idéal, vous le savez, qui est fait pour vous, qui est unique au monde. Oui. Je dis ce que je veux. Oui, c'est au monde. Qui est unique, qui permet tous les clients, à vous qui êtes derrière et dans ce monde du camping-car qui n'est pas toujours évident à apprivoiser, et qui vous permet simplement de chercher votre camping-car idéal. Waouh. Donc merci Bénimar. Ouais, merci à Bénimar et on discute, c'est vrai qu'on discute beaucoup avec eux niveau marketing. Avec Franck, il est bien. Franck est très investi, ça fait plaisir. Il est très investi dans sa marque. Très très humain, j'aime beaucoup ce personnage, ce monsieur. Oui, bon, j'espère qu'on pourra faire encore plein de choses avec eux. Oui. Il y a des choses qui vont. On discute. J'en étais où mon petit chat? La conclusion. D'ailleurs sur campingcaridéal.com sur notre bébé puisqu'on en parle. Oui. Est-ce qu'on le trouve ce camping-car? Non, on n'a pas référencé Bénimar. Donc bien sûr, vous le trouverez les amis, vous allez sur campingcaridéal.com, vous allez le trouver, vous rentrez un intégral entre 6,50 m et 7 m. Par exemple. Il va sortir, vous mettez l'issue superposée arrière. Par exemple. Et là, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont sortir. Ouais, tu mets 5 places carte grise. Ouais, encore, en plus. Ah ouais, il va pas y en avoir des masses. Il va pas y en avoir beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. Donc vous le retrouvez sur le site campingcaridéal.com. Et puis, donc conclusion, on y était là. Voilà. Il est bien. Eh ben merci. Non, voilà, tout au long de la vidéo, vous l'avez vu. C'est parti pris pour de la famille, je pense.
avec la modularité surtout au niveau de l'arrière et l'espace du salon qui est tout simplement incroyable. Donc c'est un véhicule qui est bien fait, qui est bien pensé, qui est bien construit, qui a beaucoup d'équipements. Oui. D'accord. De série plus le pack qu'on a rajouté, enfin qu'ils ont rajouté, plus le pack qui a été rajouté, ça fait un véhicule qui est complet. Après, si vous voulez rajouter le store, des choses comme ça, ce sera à votre concessionnaire que vous irez voir et vous irez demander ça à lui. Oui. Puisque nous, on ne le vend pas, le Benimar. Non, toujours pas. Il est très fonctionnel, je trouve, comme véhicule. On l'a dit pendant la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a plein d'astuces, il y a plein de choses. Il n'y a pas de place perdue. Hein, je pense aux petits trucs, là, ici, là, les rangements, tout ça. C'est pensé. Ouais. C'est pensé. Et comme Franck l'a dit au début de vidéo, et ça a l'air d'être quelqu'un de confiance, hein, ce monsieur Franck, il l'a dit qu'il l'a dessiné avec un concessionnaire. Mmh. Et c'est bien. Parce que le concessionnaire en question, il utilisait son camping-car et surtout les concessionnaires écoutent les clients aussi. Ouais. Donc c'est bien, une marque qui écoute. Ils sont à l'écoute en effet. Ils sont à l'écoute. Donc les remontées se font bien puisqu'ils créent des véhicules. Ouais. C'est ce qu'on a ressenti quand on discutait avec ce cher monsieur. Ouais. Donc voilà, c'est si ce véhicule vous intéresse, alors je ne sais pas combien il y en a sur la France. Tout simplement, vous allez aller sur benimar.es.fr.de.it, ce que vous voulez, hein, puisque c'est européen, comme je vous l'ai dit. Donc benimar.fr, et puis vous allez voir votre concessionnaire que vous aimez bien, le plus proche, le plus loin, ce que vous voulez d'ailleurs. Vous lui passez un coup de fil, vous dites hey, Giovanni, est-ce que tu as l'Amphitryon 940? Et là, il vous dit oui, c'est bon, je viens vite le voir et je l'achète. Et s'il te dit mais non, je ne l'ai pas? Et c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux m'en avoir un parce que j'ai vu la vidéo qui était détaillé, j'ai tout vu, je n'ai pas besoin de le voir. Donc, est-ce que tu peux m'en avoir un? Et là, Giovanni, peut-être qu'il dira oui. Ouais, et toujours, donc, voilà. S'il ne s'appelle pas Giovanni, ça marche aussi, on est bien d'accord. Ouais. Donc, ça marche aussi. Donc, voilà pour ce... Non, un plaisir d'avoir fait cette vidéo, Cyril. Ça change, ça fait du bien. Et puis, c'est contemporain. Ouais. Il n'y a pas... Eddy, oui. Merci pour... La crédence au niveau de la cuisine aussi, effet marbré. Ouais, puis le porte-épices. Est-ce que tu vois bien qu'il est rétro-éclairé? Ouais, on le voit bien, Eddy, c'est bon. Hein ouais. Tu sais, tu peux mettre les petits maïs oui. aussi. Tiens, je vais passer au maïs espagnol, tu sais, toi tu connais. Ou pas. Ça, c'est comme des maïs, ils vendent ça, c'est des maïs espagnols et que tu manges comme ça. Je vais remplacer ça par les pépites. Si vous n'avez plus envie d'écouter Eddy, donc désabonnez-vous. Donc voilà, on va faire l'inverse. Allez, désabonnez-vous maintenant là, ici. En fait, somme, je peux te dire qu'avec cette vitre que tu as là, plus ce grand pare-brise, là. C'est une allez, merci à vous. Bien, avec les trois enfants que j'ai. Là, on est bien. Moi, c'est ce qu'il me faut. Ciao. Bye. Si toi aussi, tu sais que Benny Carlos n'existe pas, mais que la ville de Benimar est bien Benny Carlo, et que Eddy ferait mieux de se payer des cours d'espagnol, abonne-toi. Tu verras. Tu en sauras beaucoup plus. Ciao.